amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de janvier 2024. Je me suis mis en extérieur parce qu'il fait tellement beau, tellement doux pour un 31 janvier, c'est fou. Et depuis quelques jours, ça dure. Donc je me suis dit, bon, on va se mettre en extérieur parce qu'on est pas mal. Voilà. Alors j'espère que vous y verrez assez bien parce que moi, je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas. Alors, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Mes acquisitions sur ce mois, principalement des oracles. J'ai pas de tarot. Y a un jeu également qui n'est pas dans l'univers des cartes, mais qui est un jeu divinatoire. Et j'ai pas mal de livres aussi à vous montrer. Donc, pas mal de petites choses à partager avec vous. Mais avant de vous montrer tout ça, je voulais vous remercier pour la folle aventure que vous faites vivre à mon oracle l'Unisol. Merci infiniment pour tous vos partages, pour vos présentations aussi sur les réseaux, pour vos messages également, puisque vous m'envoyez des petits messages à réception du jeu pour me parler des petites anecdotes que vous avez eues avec le jeu ou de la connexion que vous avez avec celui-ci, ou simplement pour me remercier ou me dire que vous avez bien reçu le jeu. Mais moi, c'est toujours un réel plaisir de vous lire et de vous répondre surtout. Donc voilà, je voulais vous remercier. Par rapport au jeu également, sur mon site internet, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des difficultés avec le paiement PayPal et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment ça se fait, puisque certaines personnes y arrivent très bien et n'ont pas de bugs ni de frais. En fait, je veux dire, c'est assez facile. Hein. Et pour d'autres, ben c'est la galère. Alors surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message, un mail pour me dire je n'arrive pas à faire le paiement via PayPal. Comme ça, moi, je peux vous envoyer le lien PayPal.me et avec ce lien, ça fonctionne systématiquement. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me le dire. Il y a la possibilité également de payer par chèque. Hein, j'ai déjà accepté les paiements par chèque. Par contre, ça vous fait patienter un petit peu plus longtemps parce que, évidemment, j'attends d'encaisser le chèque avant de vous envoyer le jeu. Donc forcément, ça prend un peu plus de jours, hein, quelques jours supplémentaires. Voilà, et ensuite aussi, oui, j'ai mis le jeu sur mon Vinted, ma boutique Vinted, parce que certaines personnes, notamment ceux qui sont à l'étranger, ben ça les arrangeait au niveau des frais de port, notamment pour la Belgique. Et donc, je l'ai ajouté sur Vinted. Et puis, ça arrange aussi certaines personnes qui ont des petites cagnottes qui peuvent les utiliser, du coup, en vendant quelques petites bricoles qui peuvent, du coup, utiliser et cet argent et se faire des petits cadeaux. Donc, voilà, vous pouvez le retrouver sur ma boutique Vinted. Si, lorsque vous le tapez, parce que, bon, pour me retrouver, tapez Oracle Lunisol et vous y tomberez dessus. Mais si ça met un petit peu de temps, enfin, si vous ne le trouvez pas, c'est que entre une vente et le fait d'en remettre une autre en ligne, des fois, je prends un petit peu de temps. Ça peut arriver que je prenne un ou deux jours. Ça dépend. Des fois, je le fais dans la journée même, mais des fois, non. Donc, si jamais, quand vous le tapez, vous ne le trouvez pas, réessayez quelques jours après et normalement, vous le trouverez. Voilà. Ceci étant dit, on va découvrir ensemble toutes ces belles choses. Je vais vous montrer mes coups de cœur à la fin. Mais je ne sais pas si je tourne la caméra. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Alors, je pense que je tournerai la caméra pour les livres. Parce que ça va être compliqué de montrer les livres. On va faire ça. Alors, premier jeu que je vous ai présenté sur ma chaîne. C'est Message de l'univers de Charlotte Dane, je ne sais pas. Et Célia Mélesville. Voilà, des petits messages, des petits conseils de l'univers quand on a envie soit de clôturer un tirage, soit d'avoir un conseil pour la période ou une réponse à une situation, à une problématique. Voilà, donc on a des cartes avec une illustration. Certaines illustrations prennent toute la carte, d'autres non. Et on a le message directement sur les cartes. Donc, il n'y a pas de livret. Voilà, donc je voulais déjà présenter ce jeu. Je ne sais pas du tout si vous y voyez quelque chose. Bon, j'espère. Voilà, pour ce jeu. Ensuite, on va rester dans les mêmes teintes. Ah, je ne vous ai pas dit la maison d'édition. Je crois que c'est
Contredire. Oui, édition Contredire. Pour celui-ci, on va rester dans les éditions Contredire et dans les mêmes teintes également. C'est l'oracle des rencontres de, alors je vous laisse voir le nom parce que je vais l'écorcher, Dominika, je ne sais pas si vous le voyez, Kazmierzak. Voilà, on a un jeu qui est très intéressant pour travailler sur le relationnel, sur les rencontres. Hein. Voilà, alors je l'ai utilisé 4 fois en consultation et une fois pour moi. Voilà, et je l'ai trouvé assez parlant. Voilà, en consultation, c'était pour sur ce thème-là, hein, voilà, des problématiques au niveau relationnel, et je l'ai trouvé assez intéressant. Donc, je voulais présenter également ce jeu. La qualité est vraiment top, celui-là. Les cartes épaisses qui glissent bien. On a quelque chose de très, très bien. Et puis, il est très lumineux. Hein, sur fond mauve assez coloré, on a ce brillant couleur or. C'est très, très beau. Et un petit côté très classe également. Voilà. Et avec plusieurs notions au niveau des relations, principalement. Donc, c'est pas mal. Voilà, ensuite, aux éditions, cette fois, Exergue, nous avons l'oracle, la réponse est là. Je vous l'ai présenté également sur ma chaîne. C'est un jeu de Gumiho, voilà, où j'ai trouvé, en fait, je l'ai trouvé très mystérieux, ce jeu, envoûtant. J'ai plongé complètement dans cet univers, un univers connecté à la terre, à la nature. Ouais, voilà, avec un décor un peu féerique, fantastique, enfin, j'ai bien aimé, honnêtement, ce jeu. Et puis, réponse très concise, mais voilà, pour des réponses directes, hein, sur des questionnements, et ça peut être assez sympa. On a de très belles illustrations. Je trouve que le travail qui est fait est magnifique, hein, sur ce jeu. Et j'en avais pas de comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Mais je voulais présenter également. Ah là, j'adore celle-là. J'adore cette carte. Voilà. Ensuite. Aux éditions, il me semble Contredire, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Contredire. Celui-là, je ne voulais pas encore présenter, ça ne serait tardé. Je voulais l'utiliser d'abord pour bien comprendre sa structure, avant de vous le présenter. C'est un jeu qui est super bien fait, qui permet de faire énormément de choses, en fait. Alors, je vous le montre d'abord. Connexion avec tes guides, de Kevin Piragno. Voilà, je vous ferai une vidéo, donc je vais pas m'attarder énormément sur l'oracle. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un oracle qui permet de faire beaucoup de choses. Il permet de faire du divinatoire, il permet de faire du développement personnel. Il permet de faire des tirages vraiment conseils avec messages des guides. Il permet de travailler sur les énergies. Voilà. Voilà, voilà. On a de chouettes illustrations aussi. Je trouve qu'il y a un côté chamanique dans les illustrations. Et puis, on ressent beaucoup d'énergie à travers les couleurs, je trouve, des cartes. Un jeu très, très coloré. Voilà, et très agréable à utiliser. Donc, je l'ai utilisé, hein, sur ce mois de janvier. J'ai fait même un taroscope avec, sur une semaine, le taroscope d'une des semaines. Et c'était bien agréable. Voilà. Ensuite, ah, là on passe vraiment, mais celui-là aussi, ça reste quand même une très très belle découverte. Et là, un coup de cœur au niveau des illustrations, mais je ne m'en suis pas encore servie, donc je ne peux pas vous dire si le coup de cœur est confirmé. C'est-à-dire que le coup de cœur, il est vraiment niveau des illustrations. Maintenant, est-ce que ça sera un jeu qui est agréable à utiliser? Est-ce que je vais m'en servir beaucoup? Est-ce que... Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. C'est Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. J'aime énormément ce jeu, donc celui-là aussi il faut que je vous le présente. Emily Nicole, illustré par Carla Cartagena. Et
quelque chose qui est super, vraiment, hein, j'aime énormément ces illustrations. On a chaque fois, pour chaque carte, une fleur ou un végétal qui est associé. Et on retrouve sur la carte le nom, hein, systématiquement. L'immortel, hein, ici. Voilà, les chèvrefeuilles. Et je les trouve bien sympas, ces cartes. Voilà, mais il faut que je le découvre un petit peu plus. Il me semble, alors il me semble, mais je vous le dirai pendant la présentation, qu'on peut s'en servir aussi en oracle standard. Et qu'on peut évidemment travailler aussi sur les vies intérieures. Mais qu'on peut aussi s'en servir comme un oracle plus standard. Voilà. Ensuite, autre coup de cœur, parce que cette fois, j'ai aimé l'utilisation qui est très simple, très intuitive, très facile. Une connexion immédiate en fait, qui se fait très facilement. Ouais. C'est les clés du destin, édition Exergue, de Ada Jeribi, illustrée par Sonia Cavallini. Donc là, on a un jeu qui est avec des illustrations plus. Des couleurs plus douces, plus pastelles. Et un symbole, hein, qui va dominer la carte. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 choses. Il n'y a pas 50 000 choses, d'ailleurs. Il y a le nom de la carte, un symbole et une phrase, et c'est tout. Et on comprend très bien là où le message que veut nous faire passer les cartes. Donc, très facile d'utilisation. On a une tranche cuivrée. J'aime beaucoup. Bah, c'est très beau, cuivré, je trouve. Bon, même si toutes ces dorures, on le sait, hein, ça vieillit très, très mal. C'est un peu le gadget, la déco, mais c'est vrai que ça ne vieillit pas super bien. On a un dos qui est sublime. J'aime énormément ce dos. Voilà. Pour le coup, là, le dos est très coloré. Et vous allez voir qu'après, les cartes, elles sont plutôt pastelles. Alors, elles sont assez grandes, quand même. Donc là, on a quoi? Inattendu, avec les dés. La libération, avec l'oiseau qui sort de sa cage. Vous voyez, voilà. Je veux dire, on a quelque chose de très facile à utiliser et qui va parler de suite. La passion. La fin, avec le dernier chapitre du livre. Murmure, avec le coquillage, forcément. L'impasse. La douceur. Vous voyez toutes ces couleurs pastel. Très, très, très beau ce jeu. Très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Voilà, ce n'est pas des illustrations vraiment qui où on reste le cul par terre, quoi. Mais je trouve qu'il est sympa et il fait bien le taf. Puis regardez-moi ça, il est tellement doux dans ses couleurs. Voilà, donc vraiment, d'entrée, je me suis dit, mais ce jeu, c'est fluide. C'est fluide complètement. Donc, je m'en suis beaucoup servie déjà aussi. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que je l'ai. Mais pareil, j'ai fait mon petit horoscope avec. Je le prends des fois en consultation. Voilà. Voilà. Coup de cœur, encore. Gros coup de cœur. Là, c'est les deux plus gros coups de cœur que j'ai à vous montrer. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne. C'est l'oracle de Gilberte L. de Sylvie Rohr, qui est un jeu auto-édité, qui est vendu sur Etsy, mais pas que, me semble-t-il qu'elle a ajouté également sur le Bon Coin pour diminuer les frais. Voilà. C'est un jeu qui a une connexion de cœur. On sent cette connexion de cœur, ce lien qu'il y a. Ce lien familial, c'est un jeu qu'elle a fait pour sa grand-mère avec les encouragements de sa fille. On sent ces liens comme ça qui unissent et qui tissent quelque chose. Et du coup, c'est agréable à utiliser. J'ai eu une connexion immédiate avec ce jeu. On retrouve les cartes du Petit Lenormand et il y a, me semble-t-il, 24 cartes en plus pour venir étayer les significations et faire un oracle assez riche. En possibilité. Voilà, on retrouve aussi deux femmes et deux hommes. Petite rentrée. L'illusion. Et on a ce côté très vintage dans ce jeu, que ce soit au niveau des illustrations,
mais au niveau aussi des cartes avec ces couleurs un peu sépia. Voilà. Voilà, donc vraiment un coup de cœur, connexion immédiate sur celui-là. Je l'ai pas mal utilisé aussi. Je vous montre le dos, comme ça vous voyez bien le nom. Je l'ai pas mal utilisé. D'ailleurs, j'ai fait les énergies du mois avec celui-ci. Et je l'ai utilisé aussi en consulte. Voilà. Autre coup de cœur. Ah ouais, vraiment. Et il me tarde de m'y plonger un petit peu plus parce que j'ai pas eu le temps, en fait, de vraiment m'y plonger. C'est l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil. C'est la première édition que j'ai, la première version auto-éditée. Et j'aime énormément. J'ai eu un coup de cœur. En tout cas, je ne connais pas la seconde édition, donc je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. Je sais que le dos a changé, mais après, je ne sais pas trop. Mais j'ai eu un coup de cœur pour celle-là que j'ai trouvée sur Vinted, en fait. Et voilà. Et en fait, j'ai... Ouais, ça s'est confirmé quand je l'ai reçu. Alors, je vous montre le dos. Voilà. Et alors, je l'ai pris sur Vinted parce que la personne marquait qu'il était plus disponible, en fait. Et donc, moi, j'ai cru que ben, ça y est, on ne le trouvait plus. Donc, c'est pour ça que vite, je me suis dit, oh, ben, je le prends là, alors. Et après, j'ai vu qu'il y avait toujours la seconde édition. Donc, en fait, je pense qu'elle parlait de cette édition-là. Voilà. Alors, gros coup de cœur aussi pour ma fille qui a adoré ce jeu. Bon, ma fille qui adore l'art, les illustrations, tout ça, elle est vachement là-dedans. Et elle a eu un gros, gros, gros coup de cœur sur les illustrations de ce jeu. Et elle a failli me le piquer, dis donc. Non, il faut que je le cache parce que sinon, il va se l'embarquer à Toulouse. Je le sens bien. De toute façon, elle m'a dit, hein, je me le prendrai, ce jeu. Enfin, elle m'a dit, tu pourrais me l'acheter. Pas tout à fait pareil, mais... prends-moi un, elle m'a dit. Voilà, donc forcément, là, si j'en prends un, j'y prendrai la seconde édition. Mais comme ça, au moins, je verrai, remarque, hein, la différence. Mais je pense que je garderai celui-là, moi. Parce que c'est celui-là qui est venu à moi. J'aime énormément ces illustrations que je trouve très poétiques. Que je trouve simples, mais efficaces, en fait. Elles parlent de suite, ces illustrations. Il n'y a pas besoin à chercher. Il y a une connexion qui se fait de suite. C'est un jeu qui est intéressant pour travailler sur soi, je trouve. C'est une quête. Une quête, voilà. Intérieur et extérieur, hein, qui peut être travaillé sur les deux plans. Je trouve que c'est un jeu très intelligent. Très, très intelligent, avec du sens. Et ça, j'en ai besoin, moi. C'est vraiment quelque chose qui... J'ai toujours besoin de ça, donc... Voilà, je suis vraiment satisfaite et j'ai regardé un petit peu le livret et je trouve aussi que le livret est très bien fait. Donc vraiment, coup de cœur sur ce jeu et cet univers en fait. Il nous embarque vraiment dans un univers celui-là qui est particulier et qui est tellement agréable. Donc voilà, voilà mon coup de cœur. J'ai terminé pour les oracles. Maintenant, c'est un jeu que je veux vous montrer. Alors, je ne sais pas si je vais bien vous le montrer comme ça. On va essayer. Et de toute façon, si ça vous intéresse, je ferai une présentation. C'est Les dés divinatoires de Nathalie Mossman aux éditions Granchy. Ouais. Voilà. Donc, on a un coffret comme ceci. Donc, je l'ai reçu hier. Hein. Donc, je ne peux pas encore vous en parler énormément. Donc, on a le livret en noir et blanc. On a le petit support, comme un jeu de société. On se croirait un petit peu au Trivial Pursuit, là. Voilà, donc le premier support, là, on retrouve les domaines de vie, hein, avec les finances, avec le professionnel, avec le relationnel, avec les déplacements, etc. La famille, voilà. Et on retrouve de l'autre côté la cible. Où là, voilà, on a une cible, hein, donc quelque chose de l'intérieur et plus on va vers l'extérieur, moins ça va être important. Donc là, ça va nous donner un domaine d'importance, mais on peut l'utiliser aussi en temps, c'est-à-dire passé, présent, futur. Voilà. Et donc, on va jeter ces petits dés sur un côté ou sur l'autre, selon ce qu'on veut faire. Et on va avoir ces réponses, hein, puisqu'avec 16 dés,
ça fait, je crois, 96 possibilités d'interprétation par rapport au symbole. Alors, il y a des dés qui sont plus clairs. Donc, ça, c'est expliqué dans le bouquin. Où, avec ces dés, on va pouvoir faire des choses plus particulières, travailler sur des choses particulières. Parce qu'il y a le dé, par exemple, qui va correspondre à tout ce qui est activité, travail, profession. Il va y avoir le dé qui va correspondre à tout ce qui est lien, donc relationnel. On va avoir le dé qui va correspondre aux activités de façon générale, aux projets. Voilà, et les autres sont plus standards. Donc, je vous montre vite fait comment ça se... Voilà, donc on a des petits symboles sur les dés qui vont nous parler de suite. Voilà, corne d'abondance. Enfin, je veux dire, c'est facile hein, en plus d'interpréter le symbole. Hein. C'est pas très compliqué. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Hein. Voilà, on va vite comprendre de quoi il s'agit. Et donc, avec tous ces dés qu'on prend en main, on les jette sur son petit support et on voit comment ça va nous parler, où c'est qu'ils vont se positionner. Je l'ai fait hier, dès que je l'ai reçu. Ça m'a bluffé, dis donc. Ça m'a bluffé. Et puis, j'ai eu la même réponse que j'ai avec les cartes, alors qu'il ne m'est pas spécialement clair hein, pour l'instant. Qui met en lumière quelque chose qui, pour l'instant, reste encore où je me dis, ah bon, ma foi, ça fait plusieurs fois que les cartes me le disent. Hein. J'attends de voir. Et je prends ce jeu-là, je fais ce tirage hein, avec les dés, et j'ai un petit peu les mêmes énergies. Et je me dis, ça fait écho avec ce que je tire avec les cartes. C'est fou. J'ai commencé à y croire. Voilà. Voilà. Si vous voulez que je vous le présente, ben surtout dites-le moi, ça sera avec grand plaisir. Et on pourra peut-être se faire un tirage à la fin. Quoique, je dis un tirage à la fin de vidéo, mais c'est des tirages qui sont longs après à regarder, hein, à analyser ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si ça sera super pour faire vraiment un tirage. Mais maintenant, il me manque à vous présenter les livres. Donc, je vais tourner la caméra parce que sinon, ça ne va pas être super pratique. Allez, donc les livres. Le premier, alors en ce moment, j'aime étudier, je vous en ai parlé sur plusieurs vidéos, Le Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est vrai que c'est un apprentissage qui, depuis un petit moment, me donne envie d'approfondir. Alors, je ne m'y suis pas trop mise hein, parce que je n'ai pas eu trop le temps, mais je prends des livres par-ci, par-là. J'aime bien avoir quand même plusieurs bouquins, plusieurs influences avant de commencer vraiment l'étude. Alors, j'avais déjà deux livres de Carole Cédillo. Et aussi de Carole Cédillo, un jeu avec un petit livret à l'intérieur. Donc, ça fait quand même trois livres de Carole Cédillo. Et j'avais envie d'avoir un regard autre. Et donc là, c'est un livre de Corinne Morel, « Comprendre et interpréter le grand jeu de Mademoiselle Lenormand » qui arrive aux éditions Bussière. C'est une édition assez ancienne. Voilà, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix qui était vraiment raisonnable. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Voilà, donc je ne vais pas vous présenter tout le livre, hein, mais s'il y avait un sommaire, ça serait pas mal. On n'a pas de... Peut-être à la fin... Du coup, ouais, voilà la table des matières. Donc, on va retrouver une introduction, les cinq divisions hein, par rapport à la mythologie, la construction des cartes, donc ce qu'on retrouve sur le sujet central, droite, gauche, les fleurs, la cartomancie, la géomancie, etc. Les références mythologiques. Donc ça, c'est bien que ça y soit. Les principaux dieux de l'Olympe, ben aussi. La guerre de Troie et la toison d'or. Donc ce sont quand même les deux principales histoires mythologiques dans ce livre, dans ces cartes. On a la deuxième partie où ça va être cette fois une présentation de toutes les cartes. Qui sont classées les cartes par rapport à la cartomancie. Donc c'est plus facile après pour les retrouver sur le livre. Voilà. Donc, on retrouve toutes les cartes. Troisième partie, on a un aspect pratique et éthique. On a méthodologie également. Donc, je pense qu'on nous apprend comment tirer les cartes. Et ensuite, la quatrième partie, ce sont les tirages. Donc, il y a plusieurs tirages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tirages qui peuvent être intéressants. Tirage gitan, j'en connaissais un. Alors, je ne sais pas si c'est le même.
qui me plaisait bien ce tirage, et où on peut le faire avec d'autres jeux. D'ailleurs, je l'avais fait aller sur d'autres jeux, ce tirage, et j'aimais bien. Tirage anniversaire. Ah, le voilà. Bon, je ne le lis pas maintenant. Je regarderai si c'est si c'est le même ou si c'est un autre. Voilà. Voilà pour ce livre. Alors, je vous montre juste une explication de carte. Voilà, donc on retrouve la carte, la division, elle fait partie des événements imprévus, l'effet, positif, négatif, je crois qu'il y a très positif, plutôt négatif, voilà. La lettre qui est associée, la valeur numérique, le symbole géomantique, la fleur, la constellation. Une explication sur le sujet central, d'abord il y a la représentation et ensuite l'interprétation. Le sujet de droite également, sujet de gauche, et voilà. Par contre, il n'y a rien sur la cartomancie. Et il n'y a pas grand-chose en explication sur la constellation. Voilà. Donc, ça reste assez succinct quand même, hein, les explications des cartes, je trouve. Mais à voir si ça n'amène pas une autre approche qui peut être aussi intéressante. Voilà. Allez, on va passer vite. Ensuite, on a le livre « Carte en main » d'Héloïse Méhard, illustrée par Orage, aux éditions Solar et Zopop. C'est un livre qui va nous parler évidemment de chiromancie. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse à développer, à comprendre un petit peu plus. Et ce livre, je trouvais qu'il était bien fait et qui donnait envie en fait d'aller approfondir ce domaine-là. Je l'ai découvert sur la chaîne de Chloé Bonfil, hein, de la chaîne Licorne Indigo. Et c'est vrai qu'il m'a plu de suite. Déjà, j'aime bien ce que font en ce moment Solar et Zopop, parce que je trouve que ce sont des ouvrages qui sont toujours très peps, très fun, et qui donnent envie d'aller lire les livres. D'ailleurs, j'en ai trois à vous présenter aujourd'hui de cette édition, de cette maison d'édition. Alors voilà, ce sont toujours des livres très colorés. Alors, on a un petit dépliant, un petit poster, où là, on va retrouver la paume de la main avec les lignes marquantes. Et on a, hop, pour faire ces empreintes des deux paumes de la main. Et pouvoir ensuite les étudier. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir un sommaire peut-être? Oui. Donc, je vous montre avant-propos comment utiliser ce livre, la chirologie, les quatre types de main. La cartographie palmaire, les sept mondes de la main, les lignes de la main, les signes particuliers, les dermatoglyphes, goodies, et ensuite vous avez votre carte en main, remerciements, bibliographie. Voilà, alors pour vous montrer, voilà, donc on retrouve chaque fois les explications, il vous montre vraiment pour pouvoir bien analyser la structure d'une main et que vous puissiez bien comprendre en fait. Hein. Voilà, et c'est vrai qu'il est, il est quand même agréable, hein, je trouve. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. Si vous voulez une vidéo particulière sur ce livre, vous me le dites et à ce moment-là, je vous montrerai exactement comment il est vraiment composé. Hein. Voilà, en tout cas, pour moi, je ne m'y suis pas encore totalement plongée dans ce livre. J'ai regardé quand même, hein, j'ai commencé à regarder le plus important, à comprendre un petit peu, à découvrir les lignes, etc. Et c'est vrai que ça m'a intéressé, donc il me tarde de prendre un petit peu de temps avec ce livre-là. Voilà, ensuite, on va continuer sur les éditions Solar et Zopop, et je vais vous montrer un livre sur le tarot, Tarot Rider, de Audrey Septi, illustré par Yuli. On retrouve un peu la même énergie, hein, dans ces livres et les mêmes couleurs, vous voyez. Voilà, des livres très très colorés. Hein. Alors, ici on a un livre donc qui va nous parler du Rider. Ça fait un petit moment que j'avais envie de voir comment était fait ce livre qui m'intéressait en fait. Donc on a une introduction, partie 1 c'est la pratique, partie 2 la théorie, donc là on va parler vraiment des arcanes,
Dans la partie 3, on va avoir sur les tirages, sur les récaps, les mots-clés, etc. Et puis remerciements, bibliographie. Voilà. Je pense que pour les débutants, ce livre, pour les débutants pour le rider, ce livre est assez bien fait, à mon avis. Alors j'ai lu un petit peu le début, je vous avoue. Mais après, je ne suis pas allée plus. Voilà. Bon, le début. Voilà, cette partie-là, à mon avis, c'est pas très utile. C'est la non-histoire du tarot. Ouais, j'aurais préféré qu'elle s'arrête directement là, en parlant que, ben, effectivement, l'histoire du tarot, elle est très complexe. On ne sait pas le début et que, voilà, il y a plusieurs hypothèses. Que bon, bref. Mais après, c'est vrai qu'elle parle de certaines choses. Je trouve un peu léger. Donc, à la limite, ça, j'aurais préféré que ça y soit pas, surtout quand elle évoque le tarot de Marseille. Ouais, non. Voilà. Oui, mais non. Par contre, après, tout ce qui est or et quand on va vraiment dans le rider, je pense qu'il est bien fait. Voilà, donc. Ouais, c'est. Je crois qu'il y a aussi des. Oui, des tirages. Hein. Hop. Donc là, on a les mineurs qui sont expliqués. Alors, on voit que les mineurs, bon, c'est peut-être un petit peu plus court. Que les, ouais, que les majeurs. Majeurs, il y a peut-être un petit peu plus de off. Ouais, il y a une page hein, en fait. Ça va vite quand même. Hein. Voilà, ça va vite. Hein. Et les mineurs, ouais, ben, il y a une page aussi. Donc on est un petit peu pareil. Hein. Voilà, et la fin, ouais, voilà les tirages. Hein. Plusieurs idées de tirages. Hein. Donc c'est sympa. Voilà, mais je vous ferai peut-être un retour quand je l'aurai bien regardé. Allez, on continue. Est-ce que je continue encore dans les éditions Solar Esopop ou est-ce que je continue dans le tarot? Allez, dans le tarot, allez, puisqu'on est dans le tarot. Hop, autre livre sur le tarot, mais cette fois Tarot de Marseille. C'est un livre de Corinne Morel, Le guide du tarot, le symbolisme des arcanes majeurs et mineurs, aux éditions Bussière. Alors là, c'est un gros pavé hein, qui est assez lourd parce que je le trouve assez large. En fait, un livre, si je prends un livre assez standard, oh, la largeur, c'est énorme. Hein, si je prends celui-là aussi, enfin voilà, on a quand même une largeur incroyable. C'est un livre en noir et blanc. Donc là, on voit que c'est moins agréable visuellement, c'est plus condensé. Hein, voilà, les explications. Bon, ça, moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger. Après, je suis un petit peu plus, comment dire, j'ai plus d'attentes sur les livres sur le tarot de Marseille, où je cherche toujours des significations différentes, d'avoir, mais ne serait-ce que des fois qu'un petit paragraphe, et je me dis ah ouais, ah là il y a un nouvel angle de vue, j'adore, et je l'ajoute un peu à mon livre à moi. Je n'ai lu que le début pour l'instant et j'ai pas eu ce waouh de découvrir quelque chose. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est bien fait parce qu'on a une vision générale de plusieurs choses en fait. On n'a pas besoin d'avoir 50 000 livres, même si il faudra d'autres livres pour développer plus certaines choses. Mais je veux dire, pour commencer, ce livre permet de voir le tarot au niveau divinatoire, au niveau psychologique, au niveau initiatique. Voilà, il y a vraiment plusieurs lignes de lecture rien que dans ce livre. Il va nous expliquer aussi toutes les illustrations. Et ça, c'est intéressant. Par contre, quelques erreurs au début du livre. Bon, problème de relecture, je pense. Voilà, il y en a que j'ai laissé passer, j'ai pas marqué. Il y en a où j'ai fait des petites flèches parce que il y a des choses qui sont inversées. Et ça, je l'ai remarqué quelques fois. Voilà, bon, c'est un petit peu dommage ça. Après, on a pas mal de choses, hein, des explications sur le nombre, des explications sur le nom. Il va y avoir aussi de la numérologie. Voilà, on a quand même quelque chose qui est très riche. Alors, pour vous montrer au niveau d'un arcane, on a la description avec plusieurs points qui vont être évoqués au dos, du coup, de l'illustration de la carte. Par exemple, on nous dit qu'on a une femme assise sur un trône couleur chair, qu'elle est de face, son regard qui se porte sur la droite. Elle entoure de son bras droit un bouclier sur lequel est représenté un aigle, etc., etc. Elle est couronnée, les cheveux sont blancs, la paume d'Adam. Voilà, on a
plusieurs choses. Et donc là, hop, on va revenir sur toutes ces choses que je viens d'évoquer. C'est-à-dire la femme assise, hein, une petite explication. Elle est de face, petite explication. Le regard, voilà, la pomme d'Adam, etc. On va retrouver du coup les explications par rapport au visuel. Ensuite, on a une explication sur le nombre au niveau de la numérologie, une explication sur le nom, une explication cette fois au niveau le sens de la carte, hein, au niveau initiatique, au niveau psychologique et au niveau divinatoire avec endroit envers. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il y en a où il y en a encore plus, hein, sur certains arcanes, mais sinon on a une, deux, trois, 4, 5, 6. On a 6 pages en moyenne. Il y en a où j'avais compté, il y en a 10. Voilà, où il y a plus de choses à dire. Voilà, il y en a qui prennent un petit peu plus de pages. Mais, seul bémol, c'est au niveau des mineurs, vous voyez, où on a quand même quelque chose de beaucoup plus succinct. La description, j'ai qu'une ligne. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal parce que il n'y a pas... Alors ce qu'on entend souvent, c'est pas illustré. ça me tue chaque fois. Parce que oui, c'est illustré. Il n'y a pas de scène de vie, mais c'est illustré. Et il y a plein de choses à dire sur les illustrations. Il y a des fleurs, il y a des feuilles, il y a des choses qui sont mises en évidence. Moi, pour moi, là, c'est l'accouchement, hein, clairement, dans cette carte. Et on a ce visuel-là, où on se dirait presque qu'on a la tête du bébé. Et c'est intéressant de le voir comme ça d'ailleurs pour le 9 de denier. Bref, on a quand même des positions qui sont très intéressantes et qui peuvent nous parler de beaucoup de choses. Là, on voit une tige, là, on ne la voit pas. Enfin, il y a plein, plein de petits détails et c'est riche, ces petits détails. Et ça pourrait être évoqué. Et là, pour le coup, on a rien, rien du tout. Et ça, c'est ce qui me manque. Voilà, et on a directement la signification. Vous voyez, donc on n'a que cette page, quoi, recto verso, et c'est tout. Ouais, ça me gêne un petit peu pour les mineurs. Alors, par contre, les cartes de cours, là aussi, il y avait tout ce qu'il y a à dire, niveau des feuilles. Oh, et alors, description, 3 lignes de 3 coupes superposées. Oh, ouais, non. 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 Voilà, bref. Alors, voilà une carte de cours. Donc là, on a un petit peu plus de choses, et bien forcément parce qu'il y a un dessin, donc peut-être plus à l'aise la personne d'expliquer sur un personnage que sur les éléments. Voilà, et là, on va retrouver un petit peu plus, on reparle un peu comme les majeurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs choses. Voilà. Et à la fin, est-ce qu'on a des tirages? Je ne sais pas. Non, apparemment non. Ouais, voilà pour ce gros livre qui reste intéressant malgré tout, hein, mais ouais, parce que ça résume certaines choses, hein. Après, il me faut bien le regarder, hein, pour vous en parler mieux. Ensuite, les livres sur la numérologie. Donc d'abord, je me suis pris celui-ci sur Vinted. Donc, la numérologie appliquée de Denis Schneider, ontologique et holistique. Nouvelle édition, Arcana Sacra. Voilà, alors... La numérologie, c'est un petit peu pareil que pour le tarot de Marseille. J'aime bien avoir beaucoup de livres parce que je suis toujours très curieuse de voir les différentes approches. Et comme je vous dis, ben, des fois, ne serait-ce qu'un paragraphe, une ligne, un angle de vue différent sur un marqueur en numérologie, et je vais me dire, ah ouais, ça c'est vachement intéressant. Et je me l'ajoute à mon livre à moi. Voilà. Et je suis contente en fait. Et j'aime bien découvrir toujours des nouvelles choses. Et j'espère toujours que ce n'est pas un énième livre sur la numérologie et qui va rester à effleurer certaines choses. En vrai, il y a un autre livre, hein, que j'ai sur la numérologie ce mois-ci, mais je l'ai revendu de suite. Hein. Je l'ai lu, je l'ai revendu de suite, hein, parce que c'était un énième livre, en fait, et que je n'ai pas eu d'apport supplémentaire. Et même pas, parce que des fois, il n'y a pas d'apport supplémentaire, mais je me dis, le livre est bien fait. Il est vraiment à conseiller aux débutants, admettons. Et donc, il est intéressant. Il est bien expliqué, mais là, ce n'était même pas le cas. Voilà. Donc, la numérologie appliquée de Denis Schneider, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas trop vous en parler. On a quand même un assez gros livre, hein, où j'ai plus ou moins vu qu'il y a, bon, évidemment, plusieurs marqueurs de la numérologie. Donc, c'est intéressant, c'est ce que je voulais voir. Après, certains livres sont intéressants sur certains marqueurs.
et puis moins sur d'autres. Voilà, mais ils se complètent avec d'autres livres. Alors, est-ce qu'on a un petit sommaire qui pourrait peut-être nous en dire plus? Et je le découvrirai un petit peu avec vous. Hop, ici. Donc, introduction à la nouvelle édition. Ah, j'espère que je ne vous fais pas trop bouger. Hop. Important, introduction généralité. Première partie, analyse des données numérologiques. Premier grand chapitre, données de base, documents de travail. Donc, l'ensemble des prénoms et noms, la date de naissance, le domaine karmique. Deuxième grand chapitre, les données cycliques, parcours de vie, documents de travail. Voilà. L'excursion, ok, les années personnelles. Les transits, apogées, les cycles, ok. Troisième grand chapitre, les énergies inventoriées regroupées par affinité. Ça, ça m'intéresse peut-être à voir comment c'est mis. Ça, c'est intéressant. Deuxième partie, synthèse des données, interprétation et entretien. Ça, ça aussi, ça peut être intéressant à voir. Deuxième grand chapitre, communication, entretien, toujours. Voilà. À voir. Oh, mais il y a encore. Comment ça se fait? C'est peut-être un sommaire un petit peu plus détaillé, là. C'est possible. Ouais. Voilà. Par contre, c'est écrit assez petit. Il y a des choses, et des fois, je me dis, c'est peut-être pas super, super agréable, hein, les documents, en fait, qui sont proposés, les documents de travail. Qui viennent vraiment, je pense, d'Excel, comme ça, par exemple. Je sais pas si vous voyez bien. Ça reste assez, assez petit. Voilà. Voilà, donc, intéressant, celui-là. Ensuite, il était vendu avec celui-ci, le guide de la numérologie de Jean-Daniel Fermier. Voilà, un petit prix, donc il y avait les deux. Jean-Daniel Fermier, j'aime beaucoup son approche de la numérologie. J'ai fait une formation, moi, sur les enseignements de Jean-Daniel Fermier. Donc, j'ai beaucoup de documentation sur l'ordinateur par rapport à son approche. Et là, bon, mais c'est un livre qui, je pense, va reprendre pas mal de choses que j'ai sur l'ordi, je suppose. Mais pourquoi pas voir aussi si le livre est bien fait. Et je pense que, de toute façon, ça sera une base qui sera intéressante et peut-être à conseiller... à ceux qui commencent à s'intéresser à la numérologie, parce que quand on commence avec du Jean-Daniel Fermier, on ne se trompe pas trop, quoi. Voilà. Ensuite, alors j'ai pas regardé le, remarque le, hop, le sommaire avec vous. Donc les nombres, un langage symbolique au service de l'homme, la signification des 9 nombres de base, se connaître soi-même, le numérogramme de personnalité, ok, connaître son évolution de vie, numérogramme du chemin de vie. Très bien. Déterminer ses objectifs et réussir sa vie, numérogramme d'orientation, intéressant ça. Réussir sa vie relationnelle, l'amour, l'amitié, numérogramme intime. Surmonter ses difficultés, assumer ses défis, bien gérer son avenir. Vivre sa spiritualité, l'étude spirituelle des nombres. Dites-le avec les chiffres, tableau numérologique, numérogramme vierge à photocopier pour vos études. Et voilà. Ouais, le voilà, numérogramme. Ouais, non, ça a l'air complet, ça a l'air complet. Allez, ensuite, sur la numérologie toujours, on a celui-ci, votre chemin de vie de Dan Millman, méthode pour en découvrir le but. Donc là, on va être sur le chemin de vie uniquement. Je ne pense pas qu'il parle des autres marqueurs ou peut-être succinctement, mais on reste vraiment sur le chemin de vie, le nombre chemin de vie. Mais je sais que Dan Millman est toujours une base, une référence pour plusieurs auteurs. Donc je me dis, des fois ça fait du bien de retourner à la source. Et j'avais envie de lire un livre de lui, en fait, surtout que les prix commencent à monter. Et je l'ai trouvé sur Vinted à un prix raisonnable. Alors ce n'est pas la dernière édition, parce qu'il a été revu et corrigé, celui-ci, avec une dernière édition. Moi j'ai l'ancienne, mais je pense que c'est assez suffisant. Et donc, j'ai vu qu'il y avait énormément de choses, puisque tout le livre, et on voit que c'est un gros livre, va nous parler rien que du nombre chemin de vie. Donc voilà, il y a quand même de quoi bien étudier, je pense. Voilà.
Ça reste effectivement une référence, hein, d'Anne Milman, mais comme le livre de Françoise Davier, L'art d'interpréter la numérologie, qui est vraiment la référence, qui est un livre ancien et qu'on trouve à des prix maintenant très très cher. Bon, j'ai eu la chance de le lire et effectivement, on a quand même une base qui est intéressante, honnêtement. Voilà. Dernier livre sur la numérologie. Aux éditions, de nouveau, on y revient, Solar et Zoopop. Donc qui font, comme je vous ai montré sur les autres livres, et on va prendre celui-là du tarot à côté, on voit un peu les mêmes choses, très colorées. Regardez-moi ça. Voilà, très colorées, on a un peu les mêmes livres. Hein. Et c'est intéressant, ça donne envie. Il donne envie celui-là. Et je pense que celui-là, pour les débutants, il doit être aussi pas mal. On a toujours des petits récaps à faire sur les choses qu'on apprend. Donc, pourquoi pas. Après, je ne suis pas sûre qu'il m'amène un autre angle de vue. Je ne suis pas sûre. Hein. Mais peut-être il est bien fait pour répertorier les différents marqueurs à voir. Et après, peut-être je vais découvrir quand même certaines choses. Je ne sais pas. Alors, partie 1, se connaître. Avec tous les marqueurs qui permettent de se connaître, se projeter sur la partie 2, donc là on va être plus sur le divinatoire entre guillemets, vraiment entre guillemets, et explorer, donc elle parle d'astrologie et de tarot, elle fait des références, des liens en fait, des ponts entre les deux. Voilà. Voilà, mais ça aussi je vous ferai peut-être un petit retour quand je l'aurai... Quand je l'aurai bien regardé. Je crois que j'ai terminé à vous présenter tout ce que je voulais vous présenter. Je pense que le mois de février, il y aura beaucoup moins de choses, c'est même sûr. Et il est possible que je vous parle de mes avancées, du coup, dans tout ce que je vous ai montré. Voilà. Dites-moi, vous, quelles ont été vos découvertes ou les jeux ou les livres aussi qui ont rejoint votre collection, mais également ceux où vous avez envie en fait d'aller les explorer, qui attisent votre curiosité. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.